Merci à chacun d'entre vous d'être présents ce matin. Monsieur Hervé Gillet, responsable des écoles à la DDEC de Vannes. L'abbé Fagot, Père Yves Carteau, Père Guimard. Monsieur Christian Hérault, responsable de chargé de mission. Monsieur Lenay, maire de Pleu-Cadeuil, je ne vois pas avec qui, monsieur Lenay, justement. Mesdames et messieurs les présidents des associations, Marie-Laure, Jean-Charles et Corentin. Je ne vois pas Corentin non plus. Les membres des associations de l'AEP, de l'OGEC et de l'APEL. Chers collègues directeurs du réseau de Vallée 3, Monsieur Petit, Hervé Petit, je ne l'ai pas vu arriver, directeur du collège Saint-Julien. Chers élèves, chers parents et chers amis de l'école Saint-Joseph. Alors aujourd'hui, l'école Saint-Joseph vit une nouvelle étape de son histoire. Venir et inaugurer ces nouveaux locaux est une véritable fierté pour notre communauté éducative. C'est un acte important qui témoigne de la vitalité de notre école. Lieu de culture et d'apprentissage, l'école Saint-Joseph est aussi et surtout un lieu de vie dans lequel nos enfants doivent se sentir bien. Pendant la célébration, les enfants apporteront de la terre à cet arbre qui sera planté sur la cour pendant les vacances de la Toussaint. Cet arbre symbolisera ce beau projet. Pour resituer les choses dans le temps, ce site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui a très longtemps accueilli l'école des filles, construite par les religieuses de Kermaria qui sont présentes aujourd'hui. L'école des garçons, elle, a été construite vers 1890 à l'emplacement actuel de la cantine. C'est au début des années 1960 que les écoles deviennent mixtes sur deux sites. Plusieurs classes ouvriront jusqu'au départ des religieuses en 1979. En 1984, l'école des garçons est vendue à la mairie. Ensuite, l'école Saint-Joseph a connu plusieurs aménagements immobiliers avec l'installation de trois classes en préfabriqué. Tout d'abord en 1999, une salle de motricité, alors l'actuelle classe de moyen grand de l'autre côté. Puis entre 2004 et 2007, l'installation de deux classes modulaires qui sont à côté de nous. À mon arrivée en août 2013, la salle des maîtres est descendue d'un étage dans le bâtiment principal, surnommée la maison. Plusieurs déménagements et réaménagements ont ensuite suivi avec une petite classe à l'étage et ses contraintes de sécurité et aussi un très vieux préfabriqué en bois qui était ici, devenu dangereux. C'est en 2015-2016 que le préfabriqué en bois est vidé, les CE1 se retrouvent alors dans les bâtiments maternels. Face à nos difficultés immobilières, une réflexion de fond est engagée au sein des associations et de l'équipe enseignante. En mai 2015, Sylvia Rio de la fabrique d'architecture de Redon nous présente son projet simple, confortable, répondant à nos attentes et à notre budget. L'année 2015-2016 a été une année chargée pour l'OGEC et l'AEP, car il a fallu étudier et affiner les plans, mettre en place le financement. Monsieur Laurent Danès et Monsieur Yann Le Guen nous ont alors bien aidés. L'appel d'offres s'est fait en septembre et décembre 2016. Deux phases de travaux ont ensuite été engagées, l'année 2016-2017, avec la construction d'une classe, des sanitaires, d'un préau et d'un bâtiment administratif. Puis l'année dernière, la rénovation de l'ancienne maison derrière nous, pour créer trois classes et une salle de sieste accessible.
La réception du chantier s'est faite dans les temps début juillet 2018 pour un aménagement dans les locaux avant le 14 juillet. Alors je tiens à remercier les artisans. Merci pour ce timing respecté sur 2 années de travaux. C'est beau. Nous tenons à remercier les entreprises pour leur sérieux et leur implication. Travailler avec des entreprises locales a été une vraie réussite. Merci à Sylvia Rio et Julien Dupont de la fabrique pour leur collaboration et le suivi du chantier. Nous avons beaucoup apprécié cette collaboration entre nous. Elle a été simple, rigoureuse et réactive. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. À commencer par la DDEC de Vannes, par les services de l'UDOGEC qui nous ont épaulés sur le montage administratif et financier. Merci au CODIEC et à l'UDOGEC pour les aides financières qui nous ont été octroyées par les caisses de solidarité. Merci aussi aux nombreux donateurs. Merci à la municipalité de Pleucadec qui s'est portée caution auprès de la banque et qui depuis des années nous aide par le biais de la convention et des subventions à caractère social. Cela permet à l'école de bien fonctionner. Sans ces différentes contributions, rien n'aurait été possible. Et surtout, je ne remercierai jamais assez l'équipe des bénévoles, membres de l'AEP, de l'OGEC et de l'APEL, qui a porté ce projet de bout en bout pendant plusieurs années. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice de façon complémentaire. Cela vous a demandé du temps, de l'énergie, des sacrifices personnels et familiaux. Vous avez osé prendre des risques et vous vous êtes impliqué comme si c'était votre propre maison. Merci à chacun d'entre vous pour la qualité de votre investissement et le climat toujours serein dans lequel nous avons travaillé. Merci au président des associations et à l'ensemble des membres. Je tiens à formuler un merci particulier à Ludovic. Je ne sais pas où il est. Il est là-bas. Qui a participé à toutes les réunions de chantier les vendredis matins pendant 2 années. Merci à Brigitte, trésorière de l'AEP. Merci à Marie-Laure et Gilda, qui ont fait un très sérieux suivi du financement. Que c'est beau, le bénévolat dans nos écoles. Bravo à vous tous. Merci à l'équipe enseignante, au personnel de l'école, toujours à l'écoute pendant ces 2 années. Vous avez su drôlement bien vous adapter, faire preuve de compréhension et de patience. Notre équipe est soudée, cela est important et agréable à vivre au quotidien. Merci aux personnes qui ont aidé aux différents déménagements, parce qu'il y en a eu plein, aux chantiers, déchetterie, peinture, rangement. Merci à Genoux aussi, qui a aménagé la bibliothèque que vous trouverez tout à l'heure. Vous savez combien ce projet est important pour notre établissement, pour l'accueil des familles et des enfants. Alors les travaux ne sont pas finis, il y a toujours à faire. L'aboutissement de ce projet est bien le reflet du dynamisme de l'ensemble des associations de l'école qui œuvrent tout au long de l'année scolaire pour que nos élèves soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Et aient la chance de participer à des projets pédagogiques et des sorties scolaires qui contribuent à leur ouverture culturelle et à leur épanouissement. Mon souhait le plus cher pour l'école Saint-Joseph est que ce dynamisme associatif perdure aussi dans un climat de confiance, tout comme les liens étroits établis avec la mairie et la paroisse. Je ne peux me réjouir de cette réussite sans y associer tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, y ont participé. Je terminerai en m'adressant aux enfants qui sont présents aujourd'hui. Nous espérons que vous grandirez au mieux dans cette école et dans ces nouvelles classes, que vous en prendrez soin, que vous donnerez le meilleur de vous-même.
éclairés par l'Évangile, nous souhaitons que vous soyez respectueux et attentifs aux autres et que vous vous émerveillez chaque jour du monde qui vous entoure. Longue vie et beaucoup de réussite à l'école Saint-Joseph. Encore un grand merci à chacun et belle année scolaire. Des idées qui n'ont pu aboutir, nous avons dû s'adapter aux contraintes financières et légales. Nous avons fait, défait, puis refait, toujours en recherchant les solutions optimales. Et devant le résultat, je crois que nous avons atteint nos objectifs et pense que nous pouvons être fiers de ce travail d'équipe. Cependant, je ne peux me réjouir de cette réussite sans y associer tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, y ont participé. Aussi, je veux remercier Guénola, l'équipe enseignante et le personnel OGEC qui se sont investis dans la conception du projet. Madame Sylvia Rio, architecte, et toute l'équipe de la fabrique qui a su donner corps à nos idées, les entreprises qui nous ont importé leurs connaissances, leur technicité, leurs conseils et leur savoir-faire. Je veux aussi remercier la DDEC qui nous a accompagnés tout au long de la phase technique d'élaboration et soutenus financièrement. Merci également à tous les donateurs qui nous ont surpris par leur générosité, ainsi qu'à la municipalité, prête à nous faire confiance et nous soutenir. Enfin, merci aux parents bénévoles, aux membres de l'APEL, ceux de l'AEP et de l'OGEC. Je terminerai ce discours en invitant les parents à s'investir dans la vie de leur école et de leur enfant, et dans le projet pédagogique qui est mis en place par les enseignants. De cette collaboration émergera une école dynamique et vivante. Cette école est le symbole de sa foi dans l'avenir. Et je m'étais dit, je vais arrêter d'être bénévole parce que j'en ai fait un petit peu, je vais laisser la place aux autres. Il y a 2 ans, Philippe Roux, qui était président de l'AEP, est venu me chercher à la maison. Jamais j'aurais dû accepter, mais bon, voilà. Alors être président de l'AEP, c'est pas franchement grand-chose. Quand il n'y a pas de travaux, quand il y a des travaux, c'est un petit peu. Plus de 400 signatures en 2 ans. Je remercierai aussi donc Gilda qui, grâce à lui, m'a fait rebaptiser au niveau de la banque. Maintenant, je m'appelle Cadoret Jean et non plus Cadoret Jean-Charles. Merci Gilda. Et donc, autrement, je vais remercier toute l'équipe éducative, car pendant 2 ans, il y a eu pas mal de désagréments. Je me souviens de Pierre qui a été obligé d'être délocalisé près de la boulangerie. Donc ça, c'est pas facile de vivre en dehors de l'école. Je remercierai surtout Guénola. Je pense que sans Guénola et le GEC, ce projet ne serait pas là. Nous, à l'AEP, on vous a suivi. Guénola, je pense que tu as été très moteur. Alors pendant 2 ans, c'est Guénola qui était aussi un peu chef de chantier, qui était là pour les clés, qui était là, qui, il fallait qu'elle revienne le mercredi tout le temps pour une entreprise honnête. Hein. Donc merci de ton implication, et plus toutes les réunions, bien sûr, le soir. Donc je remercie aussi l'OGEC qui a mené à bien ce projet. Moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans, tout était déjà entrepris. Quelque part, il a fallu juste signer, voilà. Juste signer, oui. Je remercie la mairie pour, bien sûr, l'aide qu'elle nous apporte tout le temps au quotidien. La mairie est partenaire de l'école pour des conseils, pour plein de choses. Et puis aussi pour nous avoir, pour le prêt, nous avoir, j'oublie le nom, porté caution, voilà. Je remercierai la fabrique, je ne les vois pas, avec Sylvia et Julien. Ils sont dans le bâtiment. Donc Julien qui a été là aussi tous les vendredis et qui a été de très bons conseils. Il a toujours été à l'écoute dès qu'on avait quelque chose à voir. Je remercierai tous les artisans qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Beaucoup sont de la région, de Peucadoc en particulier. Donc je les remercie beaucoup. Je remercie bien sûr tous les membres de l'AEP qui nous ont fait confiance, à moi et à Brigitte, parce qu'on était souvent que tous les deux pour prendre des décisions, mais bien sûr avec leur aval. Et donc je vais remercier aussi, pour finir, un grand remerciement à Ludovic Nourri, qui a suivi les travaux tous les vendredis matin, pendant 2 ans,
Donc maintenant, comme il me disait, il va pouvoir aller à la pêche, je ne vois pas. Mais il est parti aussi là-haut. Mais bon, on le remercie beaucoup. Et je remercie aussi bien sûr Brigitte Maillas, qui trésorière de l'AEP, qui elle s'est occupée de toutes les finances et qui encore aujourd'hui épluche tout parce que on se doit pour une somme pareille rendre des comptes et être très clair. Donc merci à Brigitte. Voilà. Alors Gwendolyn m'a demandé il y a quelques jours de dire un mot. Je suis désolé hein, pour le supplice que je vous inflige là à tous et surtout les enfants qui seraient contents de pouvoir couvrir un peu une pratique que je suis, c'est particulièrement bien. Pour autant, mesdames, messieurs, chers amis, chers enfants, je salue d'abord tout spécialement le plus vieil élève de l'école présent ici, le père Guimard. C'était pas hier, même pas avant-hier, un père, hein, je suis désolé, c'était au siècle dernier. Là. J'ai vraiment plaisir à être ici, à cette cérémonie. Il s'agit de la deuxième de cette ampleur que je vis depuis une trentaine d'années dans cette école. La première marquait le recouvrement dont il a été question tout à l'heure, sur ce site. Et ces transformations, tous ces travaux entrepris dans les années 80-90, ont été possibles, comme ça a été déjà dit, par le produit de la vente, par l'école à la commune, des bâtiments qu'on appelait encore l'école des garçons, n'est-ce pas, alors que la mixité était déjà en place depuis 1967. La commune y créa le restaurant scolaire pour le gérer dans un contexte scolaire local différent de celui que nous connaissons, puisqu'il y avait à l'école une école publique. Une association a été créée. Cette association avait pour membre fondateur la directrice de l'école publique, Anne-Marie Bordet, le directeur de l'école privée de l'école Saint-Joseph, que je salue tout particulièrement, Pierre Boutot, le président de l'association de l'amicale laïque, Jean-Luc Lebert, décédé l'an dernier, et du président d'appel, c'est-à-dire moi-même. Et j'avais accepté aussi de prendre la présidence, d'ailleurs, de cette association du restaurant scolaire, qui a le mérite d'impliquer les parents dans la gestion, au profit, au bénéfice de leurs enfants. Je salue, je remercie tous ceux qui ont œuvré à notre suite et qui œuvrent encore aujourd'hui. Après ce petit retour en arrière, place plutôt maintenant au présent et à l'avenir que nous construisons ensemble. Le premier constat est qu'au fil du temps, de génération en génération, cette école a consolidé et consolide ses fondations et conforte son statut de bonne école, d'école solide, d'école de référence. Avec tous ces investissements, tous ces travaux lourds que nous inaugurons en ce moment, nous pouvons affirmer que cette école, j'oserais dire notre école, est une école neuve, une école moderne, une école bien de son temps et bien dans son temps. Les conséquences en sont nombreuses et heureuses pour ce qui constitue la base elle-même d'une école, les enfants et les enseignants, pour aussi toutes les autres parties prenantes, dont les parents au premier chef, heureux enfin pour la commune, pour les élèves et l'équipe éducative, bien évidemment des locaux agréables et fonctionnels favorisent le bien-être et facilitent le travail d'apprentissage et d'éducation. Pour les parents et les membres des différentes associations de l'école, c'est sans aucun doute pour eux une belle satisfaction et une fierté en voyant le résultat des heures passées et de leurs efforts dont les premiers bénéficiaires sont toujours leurs enfants. Quant à la commune, et je le dis sous le couvert de plusieurs de mes adjoints et conseillers municipaux ici présents, la satisfaction est totale pour le maire que je suis et pour le conseil municipal. Vous savez que la loi interdit aux communes de participer au financement des investissements des écoles privées.
Par contre, elle leur permet de prendre en charge un certain nombre de leurs dépenses de fonctionnement. Et à ce niveau-là, vous n'ignorez pas ce que nous apportons chaque année au titre de la convention scolaire et au titre de nombreuses actions dans pas mal de domaines. Rassurez-vous, je n'en citerai pas la liste pour ne pas allonger ce propos, mais sachez que le montant total est très conséquent. Nous le faisons d'abord et avant tout parce que nous mettons l'éducation de nos enfants, de nos jeunes, dans nos toutes premières priorités. Nous le faisons aussi parce qu'une école comme celle-ci, au cœur de notre bourg, est un atout indéniable. Je le dis souvent, cette école est quelque part notre plus belle entreprise par la mission qu'elle remplit dans notre commune et par la place qu'elle y prend au quotidien. En sorte, d'un côté, elle rassemble au même endroit, au même moment, une bonne partie de notre jeunesse, et elle éduque nos enfants, c'est-à-dire ce que nous avons quand même de plus cher, et d'un autre, elle structure l'entrée principale de notre bourg en vis-à-vis des bâtiments magnifiquement réhabilités par Jean-Luc et Evelyne Delpay. Elle participe donc à l'image positive de notre bourg. Elle y apporte aussi de la vie et de l'animation et renforce l'attractivité de notre commune, ce qui est tout bon pour nos commerces et nos services. En somme, c'est une chance pour tout le monde d'avoir une telle école à cet endroit, et ça l'est d'autant plus désormais qu'elle est physiquement belle. Vous, toutes et tous qui avez participé à ce résultat, à cette belle œuvre, à quelque niveau que ce soit, vous pouvez en être fiers. Cette réalisation porte à l'optimisme, nous tourne collectivement vers l'avenir, vers la réussite de nos enfants, de vos enfants et le développement de notre commune. Soyez-en remerciés, président et membres des associations d'école, directrices et équipes éducatives, contributeurs divers, architectes et cabinets, et tous les artisans et les entreprises qui avaient collectivement fait du bon boulot. Bravo et félicitations. Bonne chance à cette école pour la bonne éducation, l'épanouissement et la réussite de tous les enfants qui profiteront de ce bel équipement au cours du temps. Merci. Cher Guénola, mesdames et messieurs, chers enfants, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous ce matin. En ce qui me concerne, accompagné de Christian Hureau, qui est responsable de ce secteur. Oui, un plaisir d'être là pour, à notre tour, exprimer notre reconnaissance pour ce que vous avez réalisé ici à l'école Saint-Joseph de Pleucadoc. Bravo à vous qui avez travaillé à ce projet, car à travers celui-ci, vous manifestez de votre volonté de donner à cette école les moyens matériels nécessaires à sa mission, vous lui donnez les moyens d'assurer son avenir. Ce résultat, c'est, on l'a bien entendu, et merci pour les propos qui ont été adressés dès le début de cette cérémonie. Ce résultat, c'est celui de l'engagement de toutes les personnes qui se sont engagées ici à Pleucadoc. Mais je voudrais aussi souligner que c'est aussi celui de l'ensemble des parents qui scolarisent leurs enfants dans l'enseignement catholique du Morbihan. Puisque, et monsieur le maire l'a rappelé, si la mairie, la municipalité, on doit vous remercier pour cela, si vous contribuez de façon très positive et favorable au fonctionnement de cette école à travers les forfaits communaux que vous versez dans le cadre du contrat d'association, vous l'avez dit, vous ne pouvez pas, en tant que municipalité, contribuer au financement des travaux immobiliers. Et c'est là que l'apport des parents de cette école, à travers votre bénévolat, à travers la rétribution que vous versez chaque mois ou chaque trimestre, mais aussi la rétribution qui est versée par l'ensemble des familles sur le Morbihan, dans toutes nos écoles, collèges et lycées, en sachant qu'une partie de cette rétribution vient alimenter une caisse de solidarité au niveau diocésain, il a été fait allusion à cela tout à l'heure,
Et cette caisse de solidarité gérée par le CODIEC a permis effectivement de vous apporter une aide financière assez substantielle pour vous accompagner dans le financement du projet. Maintenant que ce coup de jeune a été donné au bâtiment, il convient de mettre l'accent sur les projets développés en leur sein. En effet, plus que les bâtiments eux-mêmes, même s'ils sont indispensables, l'essentiel, c'est bien ce qui se vit à l'intérieur. Ce sont les projets qui sont pensés et réfléchis par l'équipe éducative. C'est tout le travail et le vécu quotidien des enseignants, des personnels qui les assistent, et c'est tout le travail et le vécu quotidien des enfants qui fréquentent cette école. Je voudrais dire en quelques mots, rapides, je le promets, vous dire ce qui fonde la raison d'être de chacune de nos écoles catholiques. Notre volonté, c'est vraiment de pouvoir accueillir chaque enfant avec ses richesses, mais aussi avec ses fragilités. C'est accompagner chaque enfant dans ses apprentissages, aider chacun à grandir pour que demain il soit un adulte debout et responsable. Notre projet, c'est que tous puissent apprendre à vivre en société, dans un climat de confiance, de bienveillance, de respect mutuel. Ce que nous souhaitons aussi, et essayons de faire au mieux, c'est de répondre à la mission qui nous est donnée par l'Église, faire grandir l'enfant dans toute sa personne, dans ses dimensions physiques, intellectuelles, morales, spirituelles. Autrement dit, pour nous, il s'agit clairement d'allier l'acte d'enseigner, celui d'éduquer, celui d'évangéliser. Il s'agit d'apprendre à lire et écrire, à compter et raisonner, à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Il s'agit d'apprendre à vivre en société, de développer la solidarité, l'entraide, la coopération, la fraternité dont nous avons de plus en plus besoin. Et il s'agit encore, à travers notamment les temps d'éveil à la foi de catéchèse, de développer la vie intérieure et de nourrir et faire grandir l'âme de chacun. Ce projet éducatif, pédagogique, pastoral, concerne toute la communauté éducative. Enseignants, personnel, parents, ce projet suppose une grande confiance partagée entre tous. Il nous faut à la fois faire confiance aux parents. Vous, les parents, vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants. Il vous faut, en tant que parents, faire confiance à l'école-institution qui fait tout son possible pour faire grandir vos enfants en intelligence et en humanité. Et bien sûr, il nous faut faire confiance et espérer en chaque enfant qui ne demande qu'à grandir. Cette semaine, nous avons vécu deux journées importantes pour l'enseignement catholique du Morbihan. C'était mercredi et jeudi. Mercredi au Palais des Arts de Vannes, nous étions 450 personnes environ. Jeudi, sur le site du Vincent à Radon, c'est l'ensemble des chefs d'établissement, des écoles, collèges, lycées du Morbihan qui étaient réunis, 300 personnes, pour réfléchir à une démarche prospective que nous venons de lancer pour l'enseignement catholique sur le Morbihan. Réfléchir à nos projets, réfléchir à la façon dont nos établissements sont organisés, structurés, la façon dont nous répondons à la mission qui nous est donnée. Vous serez donc invités ici aussi, à Pleucadoc, comme dans tous les autres établissements du Morbihan, vous serez invité à regarder, dans les mois qui viennent, ce qui fait la vie de votre école, ses forces, ses faiblesses, ses richesses, ses fragilités, et à identifier ce qui peut être amélioré pour le meilleur service des élèves qui nous sont confiés. Ce qui peut être amélioré. Vous venez déjà de faire un grand pas avec cette amélioration apportée sur le plan immobilier. Maintenant, est-ce que dans le fonctionnement de l'école, est-ce que dans les projets de l'école, est-ce dans le vécu quotidien, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent être améliorées? Eh bien, vous allez vous poser toutes ces questions-là. Pour terminer, je voudrais juste dire une chose.
les différents intervenants venaient là d'abord à beaucoup insister au début de son intervention, mais aussi vous les responsables des associations, vous monsieur le maire, toi Yves en tant que prêtre de cette paroisse, vous avez beaucoup insisté les uns et les autres sur l'implication, l'engagement de chacun, sur l'engagement des parents. Je voudrais juste dire que si nous devons vous remercier, vous les parents, pour tout ce que vous avez fait, c'est non seulement pour les économies qui ont été réalisées grâce au bénévolat. Il est évident que s'il avait fallu faire appel aux entreprises du premier jour jusqu'au dernier jour et seulement à des professionnels, le coût des travaux aurait été bien supérieur. Donc ce bénévolat a permis effectivement, à contribuer très largement d'un point de vue économique à la réalisation du projet. Mais ce que je voudrais dire, c'est aussi que ce bénévolat, cet engagement des parents, c'est un exemple que vous donnez pour vos enfants. Un exemple de vie, un exemple de contribution à la vie en société. Le statut de l'enseignement catholique, qui a été réécrit il y a seulement quelques années et promulgué par les évêques de France, insiste très fortement sur cet aspect. L'exemple que nous devons donner en tant que parents à nos enfants pour qu'ils deviennent demain, à leur tour, des adultes qui prendront toute leur place dans la société et qui prendront aussi des responsabilités. Donc merci aussi à vous, parents, pour tout cela. Voilà, j'arrête là avec Christian Hureau, avec l'abbé Frédéric qui est toujours là. Voilà, tous les trois, au nom de l'enseignement catholique du Morbihan, nous disons vraiment nos plus sincères et chaleureux remerciements pour tout ce que vous réalisez ici à Pleucadoc. Belle et longue vie à l'école Saint-Joseph.